Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur Code QG pour une nouvelle vidéo. Ça y est, Activision ont levé le voile hier soir sur la saison 2 de Vanguard et Warzone. Raven Software et Sledgehammer Games en ont profité pour présenter une feuille de route assez chargée. Beaucoup des éléments dont on avait parlé dans notre précédente vidéo se sont vus confirmés. Tant mieux, mais on a quand même eu droit à quelques surprises supplémentaires. On va donc faire le point sur tout ça ensemble dans cette vidéo. Bref, vous êtes sur Code QG, c'est Vince et c'est parti. Avant de commencer, je vous rappelle que le concours du mois de février est toujours disponible, le lien est en description et vous pourrez peut-être remporter une carte PSN Xbox PC ou même pourquoi pas le jeu de votre choix, donc foncez, tentez votre chance si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à lâcher votre plus beau like si la vidéo vous plaît et par extension, n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant à la chaîne et en activant bien entendu la toute petite cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors tout d'abord, laissez-moi vous présenter la roadmap de cette saison 2, vous la retrouverez en taille réelle sur nos réseaux sociaux, bien entendu, si vous souhaitez la voir plus en détail. La mise à jour de Vanguard sera donc disponible chez nous en France le 10 février à 18h heure française, tandis que la mise à jour de Warzone, quant à elle, elle est prévue pour le 14 février à 18h. Le lancement officiel de la saison 2 est quant à lui prévu pour le 14 février 18h heure française. Autant vous dire que vous risquez de passer une bonne Saint-Valentin. Trois nouveaux opérateurs formant la Task Force Yeti, oui, ça fait pas rêver comme nom, mais c'est bien leur nom, arriveront donc durant cette saison 2. On aura donc droit à Anna Drake qui sera disponible au lancement, ainsi que Thomas et Gustavo qui arriveront durant la saison. Bien entendu, ils n'arriveront pas les mains vides, mais bien avec 4 nouvelles armes. Un fusil d'assaut KG M40, naturellement stable et précis. Le KG M40 est une arme entièrement automatique de haut calibre qui rivalise avec les 3 premiers fusils d'assaut débloqués dans Vanguard, bénéficiant des deuxièmes dégâts par tir les plus élevés de sa catégorie, d'une portée efficace similaire à celle de la NZ41 et d'une cadence de tir supérieure à 600 RPM. Cette arme peut être un concurrent sérieux dans les combats à moyenne et longue distance. On aura également une nouvelle LMG nommée Whitley. Elle est décrite comme une mitrailleuse lourde à longue portée, encombrante certes, mais fiable. Sera également disponible une nouvelle arme de mêlée, à savoir le piolet, qui pourra être utilisé en tant qu'arme de mêlée, mais qui pourra également être lancée. Et enfin, une nouvelle SMG nommée Armaguerra 43, qui arrivera au cours de la saison. Elle est accompagnée du descriptif suivant, SMG à très haute cadence de tir, efficace lors des combats à courte et moyenne portée. L'Armaguerra 43 pourra être déverrouillée de deux manières, via un défi basé sur les SMG du jeu ou via des packs dans la boutique comme à chaque fois. Au moins 2 maps seront disponibles lors de cette saison 2, Casablanca qui sera disponible au lancement, elle est décrite comme étant le joyau brillant du Maroc, c'est une carte de taille moyenne à 3 couloirs dans un marché animé, avec plusieurs bâtiments à explorer et à escalader, attendez-vous à une variété d'engagements verticaux qui invite à une variété de tactiques à courte et longue portée, et enfin Gondola qui sera également disponible au lancement, ne méprisez pas cette carte de taille moyenne à 3 couloirs. Faites un voyage en télécabine pour voyager au-dessus d'un grand ravin et d'une tour de guet, mais descendez avant qu'ils ne descendent de la falaise. Les opérateurs peuvent également profiter de la longue ligne de visibilité offerte par cet itinéraire en gondole ou traverser la centrale électrique et les grottes pour une bataille plus rapprochée. Vous l'aurez compris, pas de map remake, du moins pour l'instant. On se doute que ça pourrait arriver lors de la saison 2 rechargée. En ce qui concerne le mode ligue, c'est confirmé, il arrivera en bêta dans les prochains jours, les prochaines semaines. On devrait en apprendre davantage dans les prochains jours et on ne manquera pas de vous tenir au courant dès qu'on en saura davantage. Donc assurez-vous d'être bien abonné et de nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien rater. Un nouveau killstreak nommé Ball Turret Gunner, tout droit sorti de Call of Duty World War II, arrivera également avec cette saison 2. Il vous faudra faire 12 kills d'affilée pour le débloquer, et il s'annonce d'ores et déjà très redoutable. Les grenades collantes seront également de la partie, de même que 2 nouveaux atouts. Tout d'abord Arsenal, qui est dans la première catégorie. Cet atout est décrit comme étant capable de contrer l'atout ingénieur. Et enfin Mécanicien, qui est un atout de catégorie 3 et qui accélère le temps de chargement des améliorations de combat. Rassurez-vous, les développeurs sont conscients que sortir une nouvelle saison le jour de la Saint-Valentin peut s'avérer problématique pour de nombreux joueurs.
Wenger proposera donc une expérience sur le thème de la Saint-Valentin avec du double XP et des changements de thématique, et ça s'annonce d'ores et déjà très romantique, dirons-nous. Le mode de jeu machine de guerre blindée, qui correspond plus ou moins au mode guerre terrestre, a été officialisé et il arrivera en cours de saison. Passons maintenant à Warzone, avec deux nouvelles zones qui seront ajoutées à la map de Caldera, Chemical Factory et les laboratoires souterrains de recherche. Lors du lancement de la saison 2 de Warzone Pacifique, de nombreux ajouts pourront également être notés. On retrouvera tout d'abord les munitions Nebula 5, qui sont destinées aux armements de grande envergure, mais qui peuvent être également utilisées pour les armes légères. Elles pourront être trouvées un petit peu partout sur Caldera, sous forme d'amélioration de combat, mais en très faible quantité. Alors on pourrait penser que ça s'apparenterait aux munitions à pouvoir d'arrêt, mais rassurez-vous, les munitions Nebula 5 ne sont pas plus puissantes que les balles ordinaires, mais elles ont un avantage majeur. Lorsqu'un opérateur est abattu avec ce type de munitions, elles émettent un nuage de gaz toxique autour de celui-ci. Si un allié tente de le réanimer ou qu'il se trouve à quelques mètres de lui, il aura les mêmes effets que s'il était dans le gaz de la zone. Passons maintenant à la bombe Nebula 5, qui est présentée comme une mallette verrouillée rempli de gaz mortel avec une charge explosive. Une fois activée et posée à proximité d'un opérateur, elle explose après un compte à rebours fixe et ne peut être désarmée ou détruite. L'explosion initiale inflige d'importants dégâts dans un petit rayon avant que le gaz ne se répande à l'extérieur, où il blessera tout opérateur ne portant pas de masque à gaz. Le gaz émis durera quant à lui pendant 2 minutes. Bien entendu, les développeurs ont pensé à tout et notamment à un moyen de contrer ce gaz, et voici donc la station de décontamination portable qui permettra de filtrer l'air pendant plusieurs secondes, protégeant ainsi les opérateurs qui se trouvent à l'intérieur du gaz de la zone ou même du gaz Nebula 5. En plus de tout ceci, on retrouvera des camions de transport blindés déployés par l'Axe pour transporter le gaz Nebula 5 à Caldera. Décrits comme des mastodontes d'acier inarrêtables, ces camions rouleront sur une trajectoire en boucle définie, attaquant ceux qui se trouveraient à proximité avec leurs deux tourelles armées. Attention, ils lâcheront également des mines derrière eux, et s'ils tombent en panne, du soutien aérien viendra leur porter secours, notamment en vous attaquant. Si vous réussissez à les détruire, ces camions de transport blindés laisseront tomber des objets d'une grande valeur, comme par exemple, dans des cas plus rares, une bombe Nebula 5 intacte. Bien entendu, ce gaz n'est pas le seul ajout de Warzone. Un nouveau véhicule sera ajouté en Vanguard Royal. Il s'agit de l'avion bombardier. Alors attention, ces avions pourront servir à détruire les largages de ravitaillement, ce qui peut changer fondamentalement le gameplay et votre façon d'arriver au temps espéré top 1. Et enfin, on aura droit au ballon de redéploiement, représenté sur la carte tactique par l'icône d'un dirigeable. Il est décrit comme un billet de retour dans le ciel pour se repositionner à des centaines de mètres de l'endroit où vous vous trouvez. Les joueurs peuvent monter au sommet de ce ballon grâce à une tyrolienne attachée à celui-ci, puis sauter et déployer votre parachute pour couvrir de grandes distances. Alors bien entendu, faites attention car les avions ou même les armes ennemies pourront détruire le ballon de redéploiement. Il sera toutefois possible de le regonfler contre une somme pour le moment encore inconnue. En dehors des modes traditionnels Battle Royale et pillage, la saison 2 apportera deux nouveaux modes de jeu, expérience à durée limitée, conçus par High Moon Studio et Binox. On commence tout d'abord avec Caldera Clash, qui est développé par High Moon Studio. Caldera Clash oppose deux équipes composées de jusqu'à 48 opérateurs, divisées en escouades. Dans un match à mort avec des événements sauvages et des power-ups, vous savez, ces petits pouvoirs que l'on pouvait débloquer dans un mode de jeu qui était disponible sur Warzone, sur Verdansk, dont j'ai malheureusement oublié le nom, mais n'hésitez pas à l'écrire en commentaire si ça vous revient. Chaque élimination rapporte un point à son équipe, la première équipe à atteindre un nombre défini de points, ou bien que l'équipe qui a le plus de points à l'expiration du temps imparti, eh bien cette équipe remportera la partie. Ce mode comprend trois pouvoirs, des contrats, des stations d'achat et de nombreux événements. Le deuxième mode, c'est Rebirth Iron Trial. Il est développé par Binox sur la base d'Iron Trial 84 de Raven Software, et il est décrit comme une variante de Battle Royale conçue sur mesure pour les joueurs hautement compétitifs. Seules les armes de Black Ops Cold War seront jouables dans ce mode de jeu. Le TTK, c'est-à-dire le Time to Kill, le temps pour tuer un ennemi, sera augmenté. Il s'agira d'un mode duo, c'est-à-dire avec 20 escouades de 2 joueurs, pour 40 opérateurs au total. La vitesse des cercles sera similaire à celle qu'on connaît actuellement sur Rebirth Island. En faisant top 1, vous recevrez une carte de visite animée unique.
Et voilà, on arrive donc à la fin de cette vidéo. Vous savez désormais tout ce qui va arriver avec cette saison 2 de Warzone et Vanguard. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau like et également à nous rejoindre en vous abonnant à la chaîne. Enfin bref, c'était Vince. Salut tout le monde et à la prochaine. Bye bye.